Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire un unboxing du premier mini-album de UNB, Boyhood. Alors le devant. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est texturisé et j'aime beaucoup. Derrière, la tracklist, le sticker officiel. Alors, je m'attendais pas à ce que le packaging soit aussi grand. Oh, ok. Alors, la première photocarte, j'ai eu June. Elle est super mignonne la photocarte. Avec le cheval derrière, c'est adorable. Et la deuxième, j'ai eu Daewon. Il est trop beau dessus. Donc vous savez peut-être pas, mais Daewon, c'était mon bias dans Madtown. Donc je suis vraiment contente qu'il fasse partie du groupe. Donc je disais, je m'attendais pas à ce que le packaging soit vraiment aussi grand. Il n'est pas si épais que ça. En fait, c'est comme un livre. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi large et haut. J'aime bien les petits codes barres avec leur date de naissance, je suppose qu'ils ont ici. Il y a bien la pose là. Ouais, je pense que c'est leur date de naissance. Est-ce qu'ils ne seraient pas classés en fonction de leur victoire dans The Unit? June en premier, June en deuxième. Je connaissais pas forcément Eugene avant de le voir dans The Unit. Et j'aime beaucoup sa personnalité. Il est super adorable et drôle. Je suis contente qu'il fasse partie du groupe. Honnêtement, je suis pas super fan de la longueur des cheveux de Ojan. Mais bon. J'aime beaucoup cette photo. Marco. Je préfère vraiment quand il a pas ses dreads. Je trouve que ça lui va mieux. Cette photo est super belle. Je trouve qu'il est très photogénique, Marco. Toutes les photos sont super bien. Elles rendent très bien. Évidemment, quand je dis ça, il fait une de ses têtes. Oh, j'adore. Les photos behind the scene en collage. J'aime beaucoup. Hansol. Je suis un peu déçue qu'Hansol ne fasse pas partie de NCT. Mais bon, la SM, je sais pas ce qu'ils ont fichu, donc c'est leur perte. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de le retrouver dans UNB. Je sais qu'il est dans New Kid, mais je me suis pas intéressée plus que ça au groupe pour l'instant.
suis vraiment, vraiment contente pour lui. Je l'adore et c'est dommage pour Ligon parce que j'adore sa voix. Mais au moins un des deux a réussi à faire partie du groupe. Donc voilà, alors ça je le sentais depuis tout à l'heure sous mes mains. Alors on a ici des stickers qui sont super beaux avec les tatouages dessus. J'adore. Et une postcard. Et j'ai eu Phil Dog. J'aime beaucoup. Oh, super! Il y a des lentilles, je crois. Ça lui va super bien. Tchan. J'ai vu que Ace vont faire un comeback. Je suis vraiment pressée. Je suis déçue que Chan ne fasse pas partie du coup du comeback. À cause du coup de son contrat pour The Unit. Et donc UNB, mais bon, au moins ils sont un comeback. J'aime trop ces photos. Celle-là est super belle. Les paroles à gauche, les remerciements à droite. Donc pareil, qui sont dans l'ordre de leur victoire. Parce que ça fait Jo, Nijang, Ojang, Phil Dog, Marco, Hansol, Daewon, Kijang, Chan. Les crédits. Le CD. Qui brille beaucoup. J'aime beaucoup. C'est simple, mais avec eux en costard, ça rend bien. Pardon. Donc voilà pour l'unboxing. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ce que vous avez pensé des débuts de UNB, parce que je les attendais vraiment avec impatience, je voulais vraiment voir ce qu'ils allaient faire et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du coup. Donc merci d'avoir regardé. Au revoir.